Bonjour à tous et bienvenue dans la Ben Gaming Zone pour ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Grimgor Boitenfire et eux ils ont l'air d'aller où au juste? Ah oui d'accord, ils sont en guerre avec les imbéciles mutants de la Lune Crochue aussi donc c'est bien, on va pouvoir rentrer en guerre contre ce gars là. Il y a juste que j'aimerais tellement être sûr de pas avoir des elfes qui viennent m'embêter. Bon, de toute façon, on était à la fin du tour. On va finir ce tour. Donc lui, il a déjà confédéré Karak-Kadrin. Ah bah elle est là son armée. Donc il doit plus avoir personne là-bas. Ok, donc toi. T'avances ici. Merde, non, c'était toi que je voulais faire avancer. Ouais, c'est pas grave, tu reviendras au prochain tour. Voilà, ici. Déjà, il a personne ici. Et il a personne ici. Cette armée, je devrais pouvoir la tuer avec cette armée. Donc si je fais ça, voilà. Donc, lui en plus, il est en marche forcée, il peut pas fuir. Miam miam. Et miam miam. Voilà. Comme ça, on récupère tout notre territoire. Ici. Au prochain tour, on va sur Karak-Izor. Et avec lui, au prochain tour, on va sur Zaraxil. Voilà. Point de compétence non assigné. Petit pied de Gork. Comme ça. Ouais, nous on surveille ici. Toi, tu t'avances ici. Je veux que t'ailles voir par là. Ici, du coup, on a ce petit chef de guerre. Or, ah, on a perdu des trucs quand même. Qu'est-ce qu'on a perdu? Oh. On a peut-être bien des cavaleries. J'ai pas fait attention. J'aurais dû mieux regarder le rapport de bataille. Ah, il avait peut-être de ces gars-là encore, lui, dans son armée. The tribe's ready. Est-ce qu'on peut, ça y est, recruter les idoles? Non, pas encore, le bâtiment est peut-être pas fini. Non, encore un tour. Okay.
Donc toi tu restes là pour le moment. Le pic noir je peux pas faire de mur, hein. Non. Elle est déjà full la garnison de toute façon. Ok, amélioration de colonie disponible ici, bah oui, allez. Donc ça ici, non. Ici, la forteresse de Vorak, ça fait un moment que j'hésite, mais je pense qu'on va le faire. Voilà. Et du coup, on peut finir ce tour. On vient de lui pourrir deux armées au clan Wound. Autant dire qu'il est réduit à néant. Il risque de se faire confédérer. C'est le risque quand on attaque ce type de faction. Non, puisque toi, de toute façon, t'es sur ma cible aussi. T'es sur ma liste. Viens par ici, en fait. Ok, Moratis balade sur son territoire et il fait rien. Est-ce que ses armées auraient été... aurait été déglingué, c'est possible, c'est possible. Nasty magic ready. Ok, du coup toi. Non, arrête tes bêtises. Arrête tes bêtises, tu viens ici. Voilà, et toi. Hop là, tu viens ici. Plein. Toi, tu vas nous recruter deux modèles de... au prochain tour. Ici. Bim. Ah. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Let's take what should be ours. Donc toi justement c'était ça que je voulais éviter. Voilà, et toi par contre. Oh, putain, on a encore une cité souterraine ici. Toi tu vas t'approcher ici, on va voir si les hauts elfes renvoient des armées. Voilà, ok. Bon. Niveau diplomatie. Non. Eux, j'ai quoi avec un accès militaire et un pacte de non-agression, c'est tout. Ok. Qui est passé ronde force 1. Qui m'a dépassé? Ah, les guerriers du chaos. D'accord. Oui. En effet. Ok, fin de tour. Bon bah c'est bon, on va pouvoir rentrer en guerre avec Morat. On la laisse tuer le clan Eshid et puis on la tue.
On va envoyer une des deux armées qu'on a près des nains là. Non, moi j'ai pas besoin de passer sur vos territoires, et puis même si j'ai besoin de passer sur vos territoires, je vous demanderai pas votre avis. Oh, ils ont blessé Smartsbeat! Les méchants! Wurzak, the great green prophet. I'm leaving. I'll use my spells. C'est un type louche. Autant le dire. Autant le dire, autant le dire. Et ici. Bim, Karakizor, merci. Hop. On fait une petite mise à sac des familles. Et là, je ne peux plus. Je ne peux plus. On va lui donner type louche aussi à lui. Lui il commence à être. À être bien fort. Héros non déplacé. Donc toi, tu continues à t'avancer par là. Voilà, qu'on voit s'il y a des hauts elfes qui se pointent. Ici, on lui tend une embuscade. Et ici, on va aller voir ce qui se passe là-bas au bout. Apparemment, c'est toujours au Skaven, ça. Et toi, tu radines ton petit ici. On a pas mal de choses qu'on peut faire, notamment le pic noir. Voilà. Comme ça, ici, c'est amélioré jusqu'au bout. Ici. On va faire des défenses. On va faire de la croissance aussi. Parce qu'on manque terriblement de croissance ici. La terre des loups, ici. On peut améliorer ça. On peut améliorer ça, augmenter notre croissance. Je peux pas l'améliorer. Ah bah si, voilà. J'étais en train de me dire, tiens, c'est bizarre. Non, j'en ai déjà un ici. Ouais, après. Oui, on va le faire ici et puis on le détruira d'ici, on fera de l'argent. On l'enlèvera d'ici, on fera de la thune à la place. Et ici. On va faire ça. Hop là, point de compétence. Notre sorcier, du coup, urticaire ultime. Voilà.
Il nous reste 6 tours de wag. Faut qu'on se dépêche maintenant. Et merde, je viens de perdre un tour de recrutement. Ah. Ils ont vu mon embuscade. Non. Arrêtez avec vos alliances. J'ai aucune raison de faire alliance avec vous, moi. Embuscade découverte, tout ça. Hein, ah, il s'était mis en embuscade ici, le petit malin. Bon, du coup, ici, on occupe. Hein? Ici. On occupe. Difficile à atteindre et voilà. On va déplacer. Donc toi. Tu t'avances, tu restes là pour le moment. Voilà, donc ils ont une colonie ici. Merci de l'info. Entretien moins 10 toutes les unités, oui. Ah bah oui, parce que bon, on va être content d'avoir des. On va être genre très très content d'avoir des. Comment dire. Des idoles. D'ailleurs, il faudrait peut-être penser à les recruter. Hein. Voilà, mais. Le truc, c'est qu'elles vont nous coûter une blinde. Ok, eh ben, du coup, fin de ce tour. Voyons voir ce que nous réserve ce petit monsieur. Bon, on a failli le blocage de l'armée, malheureusement. Non, on refuse cette créature immonde et dégoûtante et... Donc lui, voilà, au niveau. Ah, bloquer les armées, toi. Voilà.
Yes, it'll be proper good to him. Voilà. Lui, c'est un agent. Hein. Bon. Just go. Tribe leader. No, no. Voilà, qu'on ait un peu d'avance et qu'on voit si jamais il se prépare à nous débarquer dans le Pouetch. Et on est déplacé, allez, 4 tours de WAG. Il faut qu'on en finisse avec lui avant ça. Hein. Héros non déplacé. Oula, mais ici on n'a jamais rien fait en fait. On a de la croissance, ça, ça va. Ah oui, on n'a jamais rien fait et on aurait eu mieux fait. On aurait eu mieux fait de regarder. Bah voilà. Ah merde, j'ai pu les tuer. Bon, déjà on va dégager ça. C'est useless. Ça, c'est useless. Et ça, c'est useless. Voilà, super. Ici, on n'a pas les sous, donc on va finir ce tour. Voilà, Moratti. Bon, si on la laisse reprendre ça, il faut qu'on espère que rapidement elle se fasse coloniser, confédérée par Nagaronde, parce que sinon on va se prendre de la corruption chaotique à plein tube. Ah, confédération. Ah, c'est toi. Voilà. Et lui, il a le même niveau. Hop là. Donc du coup, ces gars-là... Ah bah, les nains, ils ont pris une dégelée, ils repartent. Par contre, je l'ai pas vu bouger, donc j'espère qu'il s'est pas embusqué. Mais il y a de fortes chances que si. Non, toi tu restes ici. Le mec il fait le dé. Il fait le pion en pleine mer, le gars. Bloquer les armées.
Voilà, et puis on va observer ce qui se passe ici. Morati, elle m'aime comment? Elle m'aime pas très beaucoup. Mais ça augmente parce que je pense que comme je l'ai laissé marcher sur mon territoire, j'ai rien dit, tout ça, elle doit être reconnaissante. Morati, reconnaissante. Eh, le mec, il rêve en couleur. Le gars, il rêve en couleur. Morati, la seule chose qu'elle attend, c'est l'occasion de te planter dans le dos. Ah, le problème, c'est ça aussi, c'est que je me suis étendu tellement vite que maintenant, j'ai tellement de colonies à... à faire grandir que... Voilà, donc toi, le nain, là, t'es le prochain sur ma liste. Toi ou le clan Morse, je sais pas encore. Mais je pense que ça va être toi en premier parce que t'es le plus costaud. Enfin, pour le moment. Commandement plus 5 sur plus de recrues. Non, bah pour l'instant, on va faire ça parce que je pense qu'on va... Ah, il a confédéré. Ah, il l'a confédéré. Bon. Eh ben... Il l'a confédéré, je m'en doutais. Ah, j'espérais le tuer avant, mais bon, bah du coup, tant pis quoi. I has my mystic powers. Only way. Voilà, et on va venir là pour le moment. Juste par sécurité. Mais là, du coup, on va attaquer les nains, je pense. Là, ça va être parti. Hein. On va commencer à se placer et... et attaquer les nains. Hein. Donc, send me to battle. Donc lui, on va le remonter par ici pour éviter de se faire attaquer dans le dos par ces enfoirés. This is my land. Let's get moving. Voilà, donc lui il va remonter jusqu'à la lance d'argent. Lui il va rester aux collines de Varenka et on va ramener Grimdor. Et on va commencer à choper les nains, hein. Ma foi. Là. Il va commencer à falloir. Ah, c'était là qu'elle s'était barrée, son armée. Leading from the front. Moving out. Et puis lui, on va le laisser dans le coin, comme ça, bah, dès qu'il faudra faire tomber... ça, on fera tomber ça. Et...
précieuse. Toi, tu restes là. Et toi, tu reviens là. Toi, pour l'instant, tu restes là. Non, je t'ai dit, tu restes là, toi. Ok, bon, bah, on va être prêt, quoi. On va être prêt, j'aurais préféré les waguer, les nains, mais... On peut peut-être se faire ces nains-là en attendant. Il y a ces nains-là aussi. Ah, c'est là-bas qu'il allait. J'avais pas fait gaffe, il devait être ici aussi. C'était là-bas qu'il était parti. Je me disais bien, merde, comment que ça se fait que je vois plus son armée? Mais oui, ok, d'accord. Donc il partait dans cette direction-là pour aller à Caracas Garaz. Voilà. Nous, on va peut-être aller s'occuper des 8 pics aussi. On a deux armées dans le coin. Ça pourrait être vite géré. You caught me in a non-murdery mood. Let's chat. Ça pourrait être vite géré, ça. Et toi, tu vas revenir jusqu'ici. Histoire de surveiller ce que font les nains. Et fin de ce tour. Et on va arrêter l'épisode après le prochain tour. J'aurais dû l'arrêter là, en fait. Mais j'ai cliqué trop vite sur le bouton. Non. Pas d'accès militaire. Une alliance défensive avec ce monsieur. Bon, Safri devrait plus nous attaquer. Et je pense pas que Kotick nous attaque vraiment. Donc du coup... Ah oui, mais du coup, il a une colonie ici. Le massif d'Orquemont qui se fait assiéger. Green Prophet. Toi, tu vas quand même rester pas trop loin parce que je veux quand même pouvoir les surveiller en fait. 15. Donc. Et du coup, toi, bah voilà, on va aller par là-bas. Toi. The tribe's ready. Et toi, tu vas aller nous faire un peu d'ordre public ici. Voilà. Ouais, il y a ce gars-là qu'on pourrait tuer. Hein. Pas l'air d'être très costaud. Ah ouais, mais ça nous mettrait... Ah ouais, bah, de toute façon, il est déjà là, l'Empire. J'allais dire, ça nous mettrait tout contre l'Empire, mais... bon, du coup, on va leur foutre la paix à eux pour le moment. Par contre, on va très vite se dépêcher de faire une garnison ici, parce que... Il risque d'essayer de nous le sauter.
Toi, on avait dit. Voilà. Hop là. Hop là. Bah ici je pense qu'elle va se débrouiller. Hein. Elle devrait plus avoir besoin de nous, du coup on va se barrer. Et voilà. La dent brisée. La rivière malade, voilà. Ici, faut qu'on commence à faire des choses. Voilà, et le reste, eh bien, ça sera pour le prochain épisode. Voilà, donc, eh bien, vous connaissez le refrain. N'hésitez pas à liker, partager les vidéos, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits conseils et commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures avec Grimgor. Voilà, des bisous.